Et aujourd'hui, alors, on va parler d'une rubrique que je vais faire sur un crash test. En fait, je vais vous expliquer. Je vais tester le jeu Pong pendant pas longtemps. Et à la fin de la partie, je vous expliquerai qu'est-ce que je pense de ce jeu. Et aussi, si j'ai déjà fait. Et voilà, il n'y aura que ça à peu près expliqué. Voilà. Du coup, bah, c'est parti. On va commencer. Hop, on quitte la démo. Hop. Alors, c'est parti. En espérant que je vais réussir à faire mon tour. J'ai pas facile, super, je commence déjà bien. Alors, hop. Alors, ouh. Et il faut faire 10 points. Celui qui fait 10 points gagne la partie. Alors, ça commence déjà bien, je fais 2 points. Faut réussir à bien taper, en fait, pour envoyer plus vite dans les coins, en fait. Si on arrive à bien taper dans les coins, ça va plus vite. Que si on tape face, bah, ça va lentement. Pour ceux qui savent pas, moi j'explique aussi les règles pour ceux qui veulent connaître les règles. Je trouve que c'est pas mal. Ouh. Ouais, bon, d'accord. Faut que j'arrive à gagner quand même. Ah. Ouais. Ah, égalité. Oh. Et si j'avais à faire 10, ça serait pas mal. Comme là, ça va doucement. Et là, ça va un peu plus vite. Ah. Égalité. Ça, il faut toujours essayer d'aller taper plus vite que comme ça, moi, hop, l'adversaire il galère. Que si on tape doucement, bah ça il va prévoir l'attaque ou le mouvement du truc. Ça, il faut toujours essayer de taper vite. Mais bon, moi j'étais pas très forte avant. J'expliquerai après pourquoi et tout. Voilà, oup. Ah, il y a 8 déjà. Allez, faut que j'arrive à rattraper. 7, oh ça. Oh, 8. Faut que j'essaie de taper vite. Ah ouais, mais... Ah, 9. Allez. Allez. Ah, là, stop. Mince. Ouh, punaise, égalité. Dernière balle. Et, ouais, j'ai gagné. Ça qui est bien. J'ai gagné, c'est pas mal. Bon, on a le temps de faire encore une partie. Et ça sera bon. Alors, normalement, on a juste à faire... Ouais, voilà. Tout ça. Bon, on a encore le temps de faire une partie. Après, je vous explique la suite. Alors, hop. Si je gagne la deuxième partie 10 points aussi, ça serait bien. Oula, ouais. Du coup, faut que j'essaie de taper bien fort. Parce que si je tape doucement, ouais, ça va. Il faut que j'ai fait attention aussi. Bien, regardez la balle. Il y a déjà 3. Oh, d'accord. Ah, ok. Bon, ouais, si je gagne une et je perds une, bon, c'est pas très grave, mais bon, ok. On va essayer de pas trop parler trop vite. Je parle toujours trop vite et je perds. Ouais, bon. Ah, ouais. Oula. Je veuille la perdre. Ah. Ça, mon problème, si je parle en même temps, je galère. Ça, c'est mon problème quand je joue. Ou à 7-5. Non. Voilà. À 6. Ouh. À 7-7. Égalité. Ah, ça va doucement. Faut que je vais aller plus vite. Non, non. Non. Ouh. À 8. Non. Égalité. Chaque fois, je fais toujours des égalités. C'est embêtant. Je tape plus haut. Ah non. Oh. Ah mince. Allez. Faut que j'y arrive. Ah. Ah non, il a eu le temps. Ah. Il a gagné. Bon bah. Il a gagné malheureusement. Je sais pas. Bon bah du coup. J'ai gagné une partie. J'en ai perdu une. C'est pas. Moi, vous avez vu comment ça marche. Alors, je vous explique aussi un petit peu vite fait les règles en même temps. Comme ça, au moins, vous saurez si vous voulez savoir comment ça marche. Alors, Pong, en fait, vous avez deux. Vous avez soit vous jouez à un joueur ou à deux joueurs. Vous avez chacun à côté avec une barre. Et en fait, vous devez taper chacun à votre tour. La balle va vers vous. Après, vous tapez, hop, ça va sur l'adversaire, il retape. Mais si vous tapez doucement, bah, ça va doucement, l'adversaire aura le temps de retaper. Ou si vous tapez vers les coins, ça ira plus vite et l'autre n'aura pas le temps de bien taper et perdra plus facilement. Et vous gagnerez plus vite. Voilà, sur ce pour les règles. Ensuite, alors je vais vous expliquer maintenant. Qu'est-ce que je pense de ce jeu? Bah alors, Pong, pour moi, j'avais déjà fait la première fois, c'est il y a longtemps. Alors, Pong, c'était avec mon parrain que j'avais fait déjà la première fois. J'avais appris à connaître le jeu, à essayer de jouer. Et moi, c'était pas sur ordi, parce que là, c'était sur ordi, je vous ai montré. Moi, c'était sur un petit truc, je sais plus comment ça s'appelle, la console, mais c'était une console que mon parrain avait. Mais bon, maintenant, ça doit faire longtemps. Et du coup, en fait, le Pong, bah en fait, comment dire ça? Moi, au début... Je galérais beaucoup,
parce que je connaissais pas encore le jeu, j'apprenais à le connaître. Mon parrain, lui, bah, il était très fort, malheureusement, je perdais beaucoup. Qu'est-ce que j'en pense ensuite? Ben, je trouve que c'est assez simple, il faut vraiment savoir jouer. Il n'y a pas vraiment de règles difficiles, ils sont assez simples les règles. Ensuite, ben, il y a quoi d'autre? Moi, je trouve que le jeu est bien sympathique. Entre amis, c'est simple à jouer. Et sinon, ben, par ça, j'ai pas vraiment de trucs. Je trouve ça bien. Et ben voilà. J'ai vraiment tout dit. Je remercie tous ceux qui étaient là, du coup, pour regarder ce petite rubrique Crash Test de Nini pour le PTGG. Voilà. Du coup, sur ce, ben, moi, je vais vous dire à la prochaine pour un prochain Crash Test. Voilà. À la prochaine!